pas ou quoi? On est toujours là, sur le terrain, en violent et en direct pour le projet département. Et là, on retrouve qui? Eh ben, monsieur Fix, monsieur PKR pour les Ulysses, le 9-1. Les gars, un peu peur? Tout va bien? Calmement? Petite présentation, les gars. Ben, nous, Fix PKR, ancien membre d'Ultimatum, créateur du label Quartier Général. T'as vu à l'époque, on a fait des battles aussi sur les Ulysses, dégaine ton style, tout ça. Battle qu'on fait par les deux. Et nous, sinon, voilà, on représente le 91 et sa particularité. Parce que je pense que c'est un département où ça rappe pas comme ailleurs, en fait. On a un certain délire. Mais le grand public, des fois, il est un peu surpris par notre manière d'aborder les thèmes et tout ça. On est fiers de représenter les Ulysses. C'est quoi la particularité des. Dans le 91 en général, hein, tu vois, même avec les gens comme Olkari, tout ça et tout, tu sens qu'il y a quand même un délire. Bien, tu sais, un peu beat, un peu en avance, tout ça, tu vois. Il y a beaucoup de mecs qui font du dirty dans le 91 ou de la West Side, tu vois, des trucs que t'entends pas partout. Et même nous, si on a un rap un peu plus classique, Fix et PKR, on essaie d'aborder des thèmes d'une manière différente, vraiment, vraiment différente. Et surtout, ne jamais oublier le fond et la forme. Tu vois, nous, le mec qui rappe bien et qui raconte rien du tout, ça nous intéresse pas. Les gars qui racontent rien mais qui rappe bien, ça, on s'en fout. Faut vraiment qu'il y ait le fond et la forme. Ça, c'est 91, le fond et la forme. Et vous, par rapport à ce que vous avez déjà sorti, là, quels sont vos projets? Bah là, en fait, nous, Fix et PKR, on a sorti déjà en approche, c'était un premier street CD en 2005. Et là, il y a le Quartier Général, c'est le nom du label et le nom du prochain street CD qui va venir. Donc avec Alpha 520, Kamel l'Ancien, des gens des Ulysses, l'équipe Los Monzas. Et voilà, donc on vient kicker sur département. C'est avant notre sortie du Scud qui va venir dans l'année, Inch'Allah. Et c'est bien de représenter en se mettant en avant. Je pense qu'on a beaucoup d'artistes, on a la chance dans le 91 d'avoir beaucoup de rappeurs. C'est un département, t'as vu, il s'est retrouvé un petit peu à l'écart, beaucoup isolé, des villes loin des transports. On allait moins sur Paname à l'époque quand on était plus jeune, on y allait après. Donc on s'est renfermé entre nous et vraiment on bossait les uns les autres nos styles, nos flows, nos vibes. Et ça fait plaisir de pouvoir le représenter sur un projet comme département. Ça sent poids ou quoi? Bah, une bonne continuation, les gars. Yes. Boum! Hey, t'entends pas ou quoi? Big up mes gens, mes jantes. Hey, et là, on va partir pour un freestyle dangereusement dangereux pour le projet département. Alors, sans perdre de temps, c'est parti, c'est maintenant. Roulez! Yo, yeah, Delta, Poison, Fix, PK, CDO. Yo, 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 le côté général. De plus en plus hardcore, le rap dort sur un matelas d'or. Tout le monde cherche à dire des choses, même les rigolos jouent les shows. Et les Kaira Sap jouent les Mac parrains précoces. En France, ghetto c'est le quartier, c'est-à-dire pas les bidonvilles, les favelas ou l'Afrique. Tu peux frimer sur le papier, c'est-à-dire parler de caisse, pèse, sexe, t'es pas si fiable. Quand les balles sifflent, tu pisses dans ton calcif. Le pire c'est que t'incites les plus de 15 piges à aller au casse-pipe. T'amplifies ton point de vue, t'inspires de chaque coin de rue.